Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale Les conseils de l'avare. Retrouvons notre apprenti avare qui va illustrer les conseils que je vais vous donner. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh, bon réflexe, l'avare sait économiser sa salive quand il le faut. Intéressons-nous maintenant à la première épreuve de la journée, la toilette. Tout d'abord, la toilette corporelle. Un véritable avare n'utilise que de l'eau pour se laver. Pensez également à récupérer l'eau que vous utilisez. Elle pourra vous servir ultérieurement. Ne jetez pas non plus le coton utilisé dans la poubelle. Remettez-le dans le sachet. Il pourra vous servir plus tard. Et maintenant, le brossage des dents. N'utilisez pas non plus de dentifrice. Le brossage seul est amplement suffisant. La répétition quotidienne de ces gestes simples vous évitera de dépenser trop d'argent en eau et en dentifrice. Regardez tout ce que vous avez pu économiser en eau. La toilette est désormais terminée. Passons maintenant à un autre moment important de la journée, le déjeuner. Comme exemple, la cuisson des pâtes. Prenez une casserole. Versez-y l'eau récupérée plus tôt dans la journée, grâce à nos judicieux conseils. Mettez quelques pâtes et ajoutez-y un minimum de sel dont vous pouvez trouver des échantillons dans des restaurants ou des hôtels. Patientez maintenant pendant la cuisson des pâtes. Lors de l'égouttage de vos pâtes, mettez votre bassine sous la passoire afin de récupérer l'eau. Cette eau pourra vous servir à divers usages, comme par exemple votre chasse d'eau. Voilà encore un bon conseil. Voici encore d'autres astuces pour faire encore plus d'économies. N'utilisez qu'une seule pile pour vos différentes télécommandes. Vous pourrez ainsi garder vos piles plus longtemps et cela vous permettra d'éviter d'en acheter d'autres. Allez, ciao, bonsoir. Lors des pubs à la télévision, éteignez-la immédiatement pour économiser de l'énergie. Il a fait, il a tout compris. Lors de vos déplacements quotidiens, pensez à ramasser toutes les pièces que vous pouvez trouver dans la rue. Trouver, on a dit. Bon, ça ira pour cette fois. Un dernier conseil avant de vous quitter, surtout ne vous laissez pas emporter par ces gains faciles. Thank you.